Compris, on passe à la phase 2. Patrouilleur à 2 heures. Plongez. Écoute, Laswell. John, Makarov est dehors. Répétez, Laswell. Makarov est dehors. Il s'est échappé, John. On annule. Faites demi-tour. Faites demi-tour, tout de suite. Shadow 2, ici Leader Kilo, en position au port. Je te préviens quand j'ai la marchandise, attends mon signal. Bien reçu, Kilo. On est bon? Pour l'instant. Ça rebat les cartes. Pourvu qu'on n'ait pas à s'en servir. Établissez un périmètre. Reste en contact. Compris. Dina. Farah. Comment va ta mère? Elle se bat, comme toi. Viens. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Tes conteneurs sont sécurisés. Le port est désert, y a que nous. Et celui de Plaisance? Fermé depuis hier. Bien. Farah? Ça ne me regarde pas, mais... Dis-moi. Cette cargaison doit être très importante. En effet. Ça fait des années. L'Urzikstan est à nouveau en paix. Nos vies ont repris leur cours. Je t'en supplie. Fais en sorte que ça ne change pas. D'accord? On est derrière toi. Oui, bien sûr. Les conteneurs sont rangés. Lina! Milena. Contente de te voir, Vladimir. Tu nous as offert une armée. Une dépense juste, pour la bonne cause. Mes camarades, nous voilà à nouveau réunis. Pour vos efforts en mon absence et le succès d'aujourd'hui, je vous dis merci. À un détail près, Ivan, en remettant en cause le bien fondé de mon plan, nous a fait perdre un temps précieux. Et le timing est crucial. Commandant, avec tout mon respect... Calme-toi. Il faut assumer ses erreurs. Tu ne crois pas? Andrei. Tu as été exemplaire. À présent, tu seras mon commandant en second. Merci de votre confiance. Mes frères d'armes, même absents, je ne vous ai jamais abandonnés. Pendant ce temps, nos ennemis sont devenus plus forts. Le FLU a repris le contrôle de l'Urzikstan. L'heure est maintenant venue, pour nous, de leur montrer ce qu'est le véritable pouvoir. Nous sommes dans une guerre d'illusions. Le mensonge se dresse là où la vérité se recroqueville. Quand on contrôle ce que pensent les gens, on contrôle le monde.
C'est ça, notre meilleure arme. Et notre instrument de prédilection pour restaurer la gloire de la Russie. La vraie Russie! L'Occident ne jure que par le choix. Il n'aura qu'une option. Se soumettre à nos propres conditions. Chaque seconde compte. Après son évasion, Makarov a mobilisé son armée sur plusieurs fronts. Le groupe Kony a attaqué le port d'Urzikstan avant l'aube. Farah y était. Elle est blessée? Négatif. Son équipe a riposté et subit des pertes. Autant dire qu'elle n'a pas épargné Kony. Bien joué, Farah. Il cherchait quoi au port? Une cargaison de missiles américains. Kony possède ses propres missiles. Pourquoi Makarov voudrait cela? Va falloir le découvrir. J'essaie de les retrouver dès que j'aurai une position pour y aller. Vous avez dit plusieurs fronts, Laswell. Donnez-nous une cible. Le groupe Kony se dirige vers une centrale nucléaire d'Urzikstan en ce moment même. Elle est encore active? Elle a été abandonnée à la chute de Barkov. Y a quoi là-bas? Vous quatre, dès que possible. Reçu. Ghost et moi nettoyons les lieux. Soap et gaz sécurisons le périmètre. Si Makarov se lance dans le nucléaire, on doit à tout prix l'arrêter. D'accord, bien reçu. Allez, on y va, bravo. Laswell, c'était des armes chimiques. Makarov possède du gaz sarin hautement concentré. Vous l'avez sécurisé? Négatif. Le capitaine a failli laisser sa peau. Où est-il? Je suis là, Laswell. Où sont les missiles? J'ai retrouvé les missiles de Farah dans un bunker abandonné. Construit pendant la guerre froide. On connaît bien ce bunker. Farah aussi. Pourquoi Kony aurait besoin d'un silo pour des missiles portatifs? Bonne question. On doit se séparer. Je vais rejoindre Farah sur place. Va falloir se disperser pour balayer le complexe et récupérer ses missiles. Bien. Je dois aller à Arklov pour retrouver un contact qui pourra nous aider. La base militaire de Kastovi? Comment vous comptez y accéder? Discrètement. Je vous tiendrai informé. On se retrouve à votre tour. Bonne chasse, bravo. 6 pour Ghost. Je suis au point de ralliement. Quelle est ta situation? Je m'occupe de Charlie. Tu prends Alpha et Kilo se charge de Bravo. Reçu. Attendez! Putain, Farah. Je t'ai fait peur, capitaine? Les Russes sont de retour en Urzikstan. Ouais, des mercenaires. Le groupe Kony. Ils ont récupéré des agents chimiques au nord hier. Et ils ont volé mes missiles à l'aube. Tout ça en moins de 24 heures après que Vladimir Makarov s'est évadé de prison. Il travaille vite. Ouais. Il doit rattraper le temps perdu, j'imagine. Allons-y. Qui t'a donné les missiles? La Shadow Company. La Shadow Company n'a pas ce genre de puissance de feu. C'est que des coursiers en uniforme. Mais c'est nos alliés. Ça les a pas empêchés de s'en prendre à mes hommes. C'est Graves qui a fait ça? Ouais, il avait reçu des ordres. De qui? Du général Shepard. C'est Shepard qui t'a envoyé ces missiles? Mes armes, c'est mon problème. Ces hommes sont très dangereux, Farah. On est tous dangereux, capitaine. Écoute. J'ai pas envie de te mentir, mais je peux pas tout expliquer. T'as tes dossiers confidentiels, et moi j'ai mes secrets. Mon pays est à nouveau assiégé. Comme avait dit mon frère. Ça pourrait affecter bien plus que l'Urzikstan. Alors on doit s'entraider. Et j'espère que j'ai toujours ta confiance. Évidemment. Bien. On se retrouve de l'autre côté. Se dirige actuellement vers la base d'Arklov. Il transporte des têtes chimiques. Si vous êtes dans le coin, dégagez! Nicolas!
Laswell. Makarov. Les nouvelles vont vite. Seulement s'il le veut bien. Vous pensez qu'il bosse pour le Kremlin? Ça m'étonnerait pas. J'ai un contact qui connaît peut-être la réponse. Il faut qu'on m'emmène. Où? À la base militaire d'Arklov. Elle est très protégée. Je peux compter sur vous? Pour arrêter Makarov, évidemment. Je dois entrer et surtout sortir. Mais ça peut vite se compliquer. J'aime les situations compliquées, Laswell. C'est bien ce qui m'inquiète. Qui est votre contact? Yuri Volkov. Il fait partie de l'équipe? Il s'est porté volontaire. Ça, c'est Yuri. Et on part quand? Tout de suite. À l'instant qu'un avion de ligne russe s'est écrasé dans les montagnes de l'Urzikstan, quand les tours de contrôle ont perdu les autorités évoquent la piste d'un acte terroriste de vol. Les autorités sont à la recherche de l'enregistreur de vol, un élément essentiel pour comprendre par les passagers pourrait apporter des réponses. Seulement quelques heures après l'attaque contre la base d'Arklov russe a subi de lourdes pertes. Que les deux incidents pourraient être liés dans le cadre d'une attaque terroriste. Tous les terroristes. Les tensions n'ont jamais été aussi. Ça, c'est encore un coup de Makarov. Il a fait plus de dégâts en 72 heures que Connie ces 5 dernières années sans lui. Cet avion de ligne est tombé dans mon pays. C'était pas un accident. Il faut que j'aille sur place pour le prouver. D'après l'OACI, l'avion est parti de Kastovie en direction de Sochi. Le contact a été perdu dans cette région. Ça me suffit. Allez-y vite avant l'arrivée des autorités. C'est pas les autorités qui m'inquiètent. Bonne chance, Farah. Site du crash, derrière la crête. Oui, je le vois. Quelle tragédie. Quelqu'un nous a devancés. Un groupe privé russe. Le groupe Connie. Makarov. Il va encore nous mettre ça sur le dos. On doit comprendre ce qui est arrivé à cet avion.
Prouver au monde qu'on n'y est pour rien. Il n'est pas question de passer pour des terroristes. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je descends. Farah, il y a au moins 20 soldats là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soutiens-moi. Mets-toi là-haut et couvre-moi. Bien, commandante. Un ancien soldat du FLU avec un gilet explosif dans un avion de ligne russe. Elle a été forcée, j'en suis certaine. Samara. C'était une vraie combattante. Elle a rejoint le front durant l'occupation. Elle a dû s'occuper de sa famille. Il y a eu quoi sur le site du crash? Y placer des preuves pour nous piéger. Et y ramasser le reste. On en a tué beaucoup et on a pris les téléphones. Et la boîte noire? On l'a détruite. Bien. Vous avez empêché Makarov de manipuler la vérité. Si des agents de Kony étaient dans cet avion, ils ont échappé au crash. Makarov ne laisserait pas de traces. Certaines personnes penseront que le FLU est derrière tout ça. Mais grâce à vous, personne ne peut le prouver. Les gens spéculeront, mais vous avez battu Makarov à son propre jeu. Ça suffit pas. J'ai envoyé Alex traquer Kony. S'ils sont en Urzikstan, il les trouvera. Bien. Je vais retrouver la 141 et quoi qu'on découvre, vous le saurez. Au fait, Farah. Oui, Laswell. Je suis désolée pour Samara. Moi aussi. Vous tenez le coup? Pour l'instant. Mes frères. Ça va, camarade? Mieux maintenant, capitaine. Putain d'ultranationaliste. Voici les images de l'aéroport. Le passager avait un billet pour le vol 761. Avec un faux passeport. Ou un complice. Très certainement. Et personne l'a arrêté. Bref, un jeu d'enfant. C'est Makarov. Farah et Alex, qu'est-ce qu'ils ont? Rien qui puisse prouver quoi que ce soit. Cette sale enflure installe des armes chimiques sur des missiles américains pour tuer son propre peuple. Il s'en prend à des civils. Et rejette tout sur Farah. Et sur les États-Unis. Il joue avec le feu. Avec des opérations sous fausse bannière. C'est la guerre qu'il veut. Orient contre Occident. Un combat de titans. Le monde est en danger, Kate. Il faut craindre le pire. On le tenait, ce putain de connard! J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-il arrivé? On arrive. Attention, Makarov et ses hommes sont peut-être encore à l'intérieur. Si c'est le cas, ramenez-le-moi en vie. Bien reçu. Où sont les secours? Les équipes médicales n'interviendront que lorsque la zone sera dégagée. Le salon VIP du deuxième étage est peut-être la prochaine cible de Makarov. Bordel de merde. J'aurais pas dû t'en empêcher. C'était la bonne chose à faire, capitaine. Non, plus maintenant. Transmission sécurisée, c'est le Pentagone. Je suis pas habilité, je sors. Non, Nick, reste. Kate, il faut qu'on parle. Je vous cherchais, justement. John, c'est une réunion de famille, fort bien. Vous voulez quoi? Vladimir Makarov, tout comme vous. Continuez, général. J'ai des infos sur les finances de Makarov. Mais on s'en fout du fric. Soap, si vous trouvez l'argent, vous trouverez Makarov. D'où viennent vos infos? Sans armée, vous n'avez rien. Vous vous trompez encore? Putain, j'y crois pas, merde. Soap, je t'ai manqué? Enfin, techniquement, c'est toi qui m'as manqué. Laswell, si vous savez où ils sont, demandez une frappe aérienne. Ghost, c'est pas très gentil de dire ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Je fais juste mon putain de taf, mon gars. Tu devrais essayer, des fois. Mon putain de taf, c'est d'éliminer l'ennemi. Et devine ce que t'es. Restons professionnels, messieurs. Capitaine, laissez-moi vous l'expliquer autrement.
Vous voulez que Makarov passe l'arme à gauche? J'ai ce qu'il vous faut. En échange de quoi? Ma rédemption. Il n'est pas question de partir comme ça. Je veux être associé à une victoire. Regardez vos mails, Kate, on reste en contact. J'ai un nom et un emplacement. Je n'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, non, c'est du renseignement. C'est une saloperie de menteur, Kate. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonges. Et vous aussi. Capitaine, on fait ce genre de marché tout le temps. On a l'habitude. Il a raison. Galère ou pas, Garrick a raison. Chef, on peut le faire. Johnny, t'es avec moi? Toujours, lieutenant. Soyez prudent. D'accord? Que nous a donné Shepard? Et combien d'infos viennent de Graves? Ils sont indissociables, les gars. Malheureusement. Pour l'instant, ce sont nos alliés. J'ai vérifié leurs infos. Du solide. Ils ont trouvé qui finance Makarov. Une oligarque dénommée Milena Romanova. Elle cède à tous ses caprices depuis des années dans l'ombre. Elle est où? Sur une île privée. Seule et loin de tout. C'est une forteresse paradisiaque. Devinez qui gère la sécurité. Le groupe connaît. Les informations incluaient aussi des plans et des schémas de la zone. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On peut pas juste embarquer Milena. Légalement, non. Mais on peut détourner son argent. Il y a des serveurs sur l'île qui permettent d'accéder à ses comptes. On va devoir contourner ces systèmes de sécurité. Le responsable doit avoir une clé. On le trouve, je me connecte et je pirate les comptes. On arrive par bateau, puis on se sépare. Je récupère la clé pendant que Ghost sécurise l'arrière du périmètre. On aura besoin d'aide. J'enverrai un drone et vous guiderai depuis le ciel. Vous avez lu dans mes pensées. Allons faire parler l'argent. Même les Shadows finissent par craquer. Tout le monde craque, pas seulement eux. Si c'est pas la Shadow qui a approché Milena, alors qui? Price, et tous ces enfoirés de l'Arbin. Avec un coup de main de la Shadow? Cette relation est purement transactionnelle, crois-moi. Les infos qu'on a arrachées aux prisonniers doivent être utilisées au plus vite. Laissez-moi m'en charger. Non, j'ai besoin de toi ici. On doit se séparer. S'ils ont trouvé Milena, ils nous trouveront nous aussi. Vous pensez qu'ils en savent davantage? J'en doute, mais fais en sorte que ça n'arrive pas! S'ils se pointent ici, on sera prêts à les recevoir. Je veux que tout le monde sache qu'on ne laissera personne nous faire obstacle. Et j'ai dit absolument personne, sans exception. C'est bien clair? Oui, c'est très clair. Si les renseignements de notre ami de la Shadow sont exacts, tu seras le tout premier à savoir. Et sinon... t'auras qu'à le buter! On a fait parler Romanova. Comment? Une petite torture financière. Les infos de Shepard étaient bonnes. Ce sont les nôtres maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'exploitable? L'une des nombreuses sociétés écrans de Romanova a acheté un immeuble abandonné à Saint-Pétersbourg pour le groupe Kony. Quand? Récemment. C'est sûrement un avant-poste. C'est sûr et certain, capitaine. J'ai localisé le bâtiment. Les dernières images satellites montrent un ballon d'extraction sur le toit. Si c'est là, c'est pour exfiltrer rapidement quelque chose qu'ils veulent pas qu'on trouve. Ou quelqu'un. Ce bâtiment grouille d'ennemis. Gaz balayera la zone de base en haut. Je me chargerai de couvrir le toit à distance. Comment on s'exfiltre? L'hélico, c'est trop risqué. Récupérez tout ce que vous jugerez utile. Nick vous tirera de là par avion. Le ballon. Le Fulton. Si Makarov est là-bas, capturez-le. 6 pour Watcher, drone actif. Vous devriez avoir un visuel. Affirmatif, John. Je vois plusieurs soldats de Kony sur le toit du bâtiment nord. Mais aucun signe de Makarov. Qui est le type au centre de l'attention? Ça a l'air d'être leur chef. Je vais lancer un scan pour essayer de l'identifier. Reçu. Gaz, vous êtes en position? Où est-ce qu'on en est avec Nolan? Il est pas très loquace avec nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Il mène une guerre contre le monde entier. Il a une confiance aveugle en Makarov. Makarov a besoin de lui. Il a pas arrêté d'essayer de le joindre, il sait que ça va pas. Vous avez intercepté leur communication? Affirmatif. Nolan n'a peut-être pas voulu parler, mais sa radio et son téléphone l'ont fait pour lui. Qu'est-ce qu'on sait? Il dépose quelqu'un ou quelque chose dans une prison soviétique abandonnée. Où ça? En Sibérie.
quand? Demain. C'est notre chance de choper Makarov. On n'a aucune garantie qu'il y soit. Je prends le risque. J'en étais sûr. Nick vous déposera et vous reprendra. Je veux tout le monde sur le coup, y compris Farah. Avec Ghost, c'est notre meilleur sniper. Vous pouvez la prendre en chemin. Je la préviendrai. Faut du C4 et de l'équipement imperméable. On va se mouiller? On va faire plonger Makarov. Watcher pour 07, vous en êtes où? 07 en position avec Kilo. Bravo et dans l'eau. Reçu. Où est notre cible? Un convoi depuis le sud-est. 4 véhicules. Vous voyez Makarov? Pas de visuel, mais le troisième véhicule est sous votre protection. Ghost a tous les bravos. Vous me recevez? Lazuel. Sans drapeau américain, vous n'êtes qu'un pauvre type gelé, général. La crème de la crème. Réunis au même endroit. Quelqu'un fait tâche, clairement. Puis-je demander quel est le but de cette réjouissante assemblée? Un choix. En est-ce vraiment non. Un? Je vous écoute. Allez-y parler. Vous allez tout nous dire. Vous savez déjà tout. Mais pas le concret. Je parie. Ça le fascinerait, serait... pas vrai? C'est tout? Non. Vous allez laver mon nom. Dites-leur qui je suis, ce que vous m'avez donné et pourquoi. Personne d'autre n'a eu le courage de faire ce que j'ai fait pour vous. Pour tout le monde. Alors faites le nécessaire, général. File-leur toutes tes infos sur Makarov et sur ton bouffon Graves. Dites oui, et vous rentrerez chez vous. Ou alors, on te laisse réfléchir et crever de froid. Moi, je préfère cette option. En priorité, faites en sorte que le prisonnier ne pense qu'à sa survie. Et tôt ou tard, il finira par craquer. Je suis content que l'entraînement vous revienne, général. Vous me poignardez dans le dos, John. Et vous allez regretter de ne pas m'avoir tué. Général, vous savez quoi? Makarov veut terminer ce qu'il a commencé à Verdansk. Il a ordonné à Connie d'attaquer le barrage de Gora cette nuit. S'il détruit le barrage, toute la ville sera inondée. Beaucoup de vies seront perdues. Si on suit sa logique, il mettra ça sur le dos de Farah et de l'Occident. À moins qu'on l'en empêche. Occupez-vous du barrage. Alex et mes soldats ont retrouvé Connie dans un aérodrome au nord de l'Urzikstan. On pense que c'est la base d'opération avancée de Makarov. Je mènerai un assaut au petit matin. Ton armée n'y arrivera pas seule. Je sais. La Shadow nous fournira un soutien aérien. On peut pas laisser Graves tout pilonner près de Farah et de son armée. Je leur fais confiance pour ça. Vous m'avez demandé de contrôler Graves, je le ferai. Vous avez intérêt, général. Vous la voulez, cette victoire? Évidemment que je la veux. Gaz et moi, on ira avec Farah. Sauver Ghost, sauver le barrage. Reçu. Nick se chargera du transport. J'enverrai un Predator en surveillance. Ne vous faites pas prendre. Jamais, chef. Restez prudent et ouvrez le lien. Bonne chance, tout le monde. Ghost et Soap ont évité la catastrophe au barrage et ils ont contré les plans de Makarov. C'est à vous de jouer. Avec Farah et Alex, c'est presque fait. John, je vous rappelle que vous faites aussi équipe avec Krebs. J'ai pas oublié, hélas. Ça m'a l'air bien, les gars. On peut lancer les vérifs, c'est bon. On peut lancer les vérifs. Ah! Ouais! Prêt à en découdre? C'est une opération interarmée. FLU 141 et la Shadow. Tous ensemble. Gaz. Tous ensemble. On est sûr de ça? Si on hésite, on a perdu. Pareil pour le démarrage de la PU. Ok. Vérification moteur. Ok. Démarrage ok. Shadow est pareil. Contrôle, vous me recevez? Roulage autorisé, Shadow. Bien reçu. C'est parti. Shadow à Gold Eagle, pareil au décollage.
arrêter, Shadow. Shadow 1 pour Leader Cold Eagle. On est dans l'espace aérien. Shadow 1, l'équipe au sol est en position au cimetière d'avion. Vous allez devoir la couvrir depuis le ciel tandis qu'elle cherche les agents chimiques et traque Makarov. Bien reçu, Leader. C'est grâce aux valeureux efforts de notre Task Force et du FLU que nous sommes parvenus à contrer Vladimir Makarov et son armée privée. Beaucoup a déjà été dit sur le FLU. Peut-on qualifier Farah Karim et ses soldats de terroristes ? Non, Farah Karim est et a toujours été une précieuse alliée des États-Unis et de nos amis occidentaux dans la région. Comment la commandante Karim s'est-elle procuré des armes américaines ? Pendant 10 ans environ, j'ai envoyé des armes à la commandante Karim, afin de soutenir ses efforts contre Al-Qatala, ainsi que les incursions russes en Urzikstan. Était-ce des livraisons légales ? Non. Dans le but de sauver des vies, j'ai organisé des livraisons dans l'illégalité, avec des fonds que j'ai moi-même approuvés. Silence, je vous prie. Général Shepard, en octobre 2022, avez-vous autorisé la Shadow Company à attaquer une task force sous votre commandement à Las Almas, au Mexique ? Non, jamais. Monsieur Graves, avez-vous reçu l'ordre d'utiliser la force létale contre la TF-141 ? Oui, c'est exact. Silence, silence, veuillez vous taire ! Qui vous a donné cet ordre ? Le général Herschel Shepard. Et cet ordre, l'avez-vous suivi, monsieur Graves ? Non, je n'ai pas obéi, monsieur. Silence ! Silence ! Putain, ils se sont poignardés dans le dos. Ils cherchent encore à sauver leur peau. C'est chacun pour soi. Voilà la différence entre nous et eux. On va laisser passer ça, chef. La meilleure façon de finir une guerre, c'est de la gagner. Pas de prisonniers. Bonne chasse, commandante. Toi aussi, capitaine. Nick, ramène Farah, ok ? Ouais, tout de suite, capitaine. Bon, c'est le moment d'y aller. Retour au bercail. Watcher pour Bravo. Je vous écoute, Watcher. Le MI6 nous inonde de messages radio de Connie. Faites la courte, Kate. Ils sont où ? Connie est à Londres. Putain de bordel de merde. Makarov est toujours en vie. Il y a des communications d'un Tsar 9-0. C'est son indicatif. Qu'est-ce qu'il fout à Londres, Laswell ? D'après les renseignements, Connie a rendez-vous avec une pirate informatique notoire demain à Greensbury Park. Une hackeuse. C'est notre cible. Ils essaient d'accéder à quoi exactement ? Ça, c'est ce qu'on doit découvrir. Cette hackeuse peut nous mener jusqu'à Makarov. Si Connie est à Londres, il devrait pas être bien loin. Dès qu'on en saura plus, il faudra agir vite. J'avertirai la police de Londres et enverrai des forces d'intervention. Ghost, tu te connecteras au réseau de caméras de la ville et tu nous guideras pendant qu'on poursuivra notre cible. Makarov pourrait être dans notre pays. Si on découvre où il se cache, on ira le chercher. En attendant, voyons où va nous mener cette hackeuse. C'était le meilleur d'entre nous. Le plus dur. Il aurait affronté le monde à main nue.
qui ose gagne. Repose en paix, soldat. On se reverra, mon frère. Pars en paix. On t'oubliera pas, Johnny. John. Général. Comment êtes-vous rentré? Une amie en commun. Laswell. Vous valez mieux que ça, capitaine. On a tous changé. Ce job exige que l'on fasse des sacrifices au nom du bien commun. C'est vrai. Vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, John. Vos victimes reviendront vous hanter. Oh, je n'ai pas l'intention de me mettre à genoux. Ni devant vous, ni devant quiconque, capitaine. Ça changerait rien pour vous.